sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu au niveau de l'équipe de délivrance. Hier, le Seigneur Jésus est descendu encore et il a opéré de grandes délivrances. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Au niveau des personnes délivrées des démons, de l'emprise des démons, comme rapport, nous avons enregistré 20 personnes. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Les démons chassés. 75 démons chassés. Et nous avons enregistré un baptême ce matin au niveau de l'équipe de délivrance. Nous avons baptisé une personne. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre deux témoignages au niveau d'une guérison et d'une délivrance. Il s'agit de deux sœurs. La première sœur, hier, pendant que le pasteur était en train d'achever sa parole ou le message, une sœur a essayé de dandiner au milieu ici. Nous l'avons récupérée. Effectivement, elle vient du pays voisin, c'est-à-dire du côté du Burkina, un côté Burkina et un côté Mali. Et c'est un esprit de génie qui s'est manifesté. Bon, si c'était en Côte d'Ivoire, on pourrait dire c'est commis, mais là-bas, c'est un génie. Alléluia. Elle dit, je cherchais le chemin. C'est-à-dire, quand le pasteur a dit, si tu avais consommé quelque chose, vomi, elle a senti qu'il y avait les ténèbres au niveau de son visage. C'est-à-dire qu'elle ne voyait plus clair. Donc elle cherchait le chemin. C'est ce qui l'a amené à dandiner au milieu ici. Et Dieu merci, l'équipe d'accueil et d'installation essaie de la récupérer, l'envoyer à notre niveau. Quand nous avons commandé à l'esprit de partir, il a dit, je l'ai voilé. Donc elle ne peut pas voir clair. Donc nous avons reçu qu'elle était aussi dans une forêt. Et quand nous avons dit, nous récupérons notre sœur, nous rentrons même dans la forêt, nous la récupérons de la forêt. Le démon a dit, vous m'avez eu. Nous avons d'abord récupéré notre sœur. Nous l'avons mis en lieu sûr. Après, nous avons consumé la forêt. Il a dit, mais vous me brûlez avec tout ce que j'avais dans la forêt là-bas. Vous êtes méchants. Nous avons ôté le voile et le masque qui était sur la tête de notre sœur. Quand nous avons fini d'ôter le voile avec le masque, la sœur est redevenue normale. Elle nous vient d'un Mputu. Une autre sœur, le pasteur avait insisté sur la colère. Vous savez, depuis deux jours, Dieu nous exhorte à nous réconcilier les uns avec les autres. Et c'est comme ça, l'esprit s'est manifesté. Et cette sœur, c'était un problème de colère. Le démon de colère était assis sur le trône de son cœur. D'abord, nous avons ôté le mauvais cœur, le cœur noir sur lequel le démon était assis. Nous avons arraché, jeté. Nous avons recueilli le bon cœur, le cœur de chair donné par Jésus-Christ. Nous avons donné à notre sœur. Le démon a dit, mais je vais faire comment pour l'utiliser maintenant. Le mauvais cœur était déjà parti. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Offrande d'acclamation, merci. Notre sœur authentiquement délivrée de la colère. Nous voudrons à notre niveau, au niveau de l'équipe de délivrance, les frères et moi, nous voudrons dire merci à notre Dieu qui opère, qui continue d'opérer. À lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bakayoko Nzata, mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Tiade Stéphane. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a accordé un an de plus aujourd'hui. Il a fait cela étant chrétienne, convertie en Jésus-Christ, le vrai Dieu. Auparavant, j'étais musulmane, mais aujourd'hui, je suis un enfant authentique de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère et disciple, c'est pasteur Kone Nyeri, de la zone d'Abobo. Gloire à Dieu. J'ai cru le 24, 10e mois 2018. Ça me fait 5 ans aujourd'hui. Mais avant ma conversion, il faut dire que ma vie n'était pas facile. Gloire à Dieu. J'étais sous l'emprise de beaucoup de vices.
c'est-à-dire la drogue, la masturbation, l'alcool. C'était difficile pour moi de me sortir de là. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, m'a permis de croiser une sœur qui m'a prêché l'évangile de la repentance. Un temps, je partais dans les autres dominations, ma vie ne me changeait pas. Elle m'a prêché l'évangile de la repentance. Et j'ai intégré l'église. Gloire à Dieu. D'abord, j'ai trouvé ça bizarre, prier dans une maison. Et elle m'a dit, il faut rentrer. Je suis rentré. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai fait une vraie repentance. Je m'ai conduit aux eaux du baptême. J'ai fait mon brisement des liens. Gloire à Dieu. Et après cela, en fait, moi, je n'ai jamais eu de vision. Je n'ai jamais eu de songe. Mais moi, la Bible dit que quand tu crois, alléluia, ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Gloire à Dieu. Et comme ça, j'ai saisi. Et j'étais là et je dis à Dieu, vraiment, ma vie ne change pas. Comment je vais faire? Et mon frère disciple, en tout cas, il m'a beaucoup soutenu avec des conseils. Je suis parti à l'école, j'ai eu le bac F7 en biochimie et un BTS en chimie génie alimentaire. Mais il n'y a pas de travail. Et pendant que je partais à l'école, j'apprenais un métier qui était la peinture. Et moi-même, je me suis formé sur YouTube avec les designs. Donc, c'est celle qui me permettait de m'en sortir. Et comme ça, quand j'ai tourné la vie à Jésus, j'ai déposé mes dossiers dans plusieurs entreprises. Gloire à Dieu. Et après ma repentance, mon baptême, Dieu a permis que j'étais une société. Là-bas, j'étais payé à 100 000. Et au fur et à mesure, comme j'étais fidèle dans mes dons, de 100 000, je suis passé à 174 000. Gloire à Dieu. Dieu a commencé à se manifester dans ma vie. Et dans ma zone, dans la communauté, dans l'église où je suis, je fais partie de l'équipe de délivrance. Alléluia. Et moi, j'ai fait un don et un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé. C'est que tu as quelque chose pour moi. Je vais te servir. Je vais travailler avec toi, opérer avec toi. Et un jour, j'étais au travail. Et celui qui s'occupe de brisement des liens dans ma zone, Pasteur Simon, m'appelle. Il m'a dit, frère Dodo, on a un cas. Il dit, pasteur, c'est quel cas? Il dit que la soeur souffre d'insuffisance rénale. Il dit, mais, si c'est une insuffisance rénale, bon, moi, je vais aller faire mon travail, mais c'est Dieu qui guérit. Il dit, d'accord, donc passe chez moi à la maison, tu vas prendre son cahier. Et je suis passé chez lui à la maison, après le travail, j'ai pris son cahier. Le vendredi, le jeudi, j'ai appelé la soeur, on s'est rencontrés le vendredi dans la chambre de prière. Et nous avons commencé à travailler. Frère, quand j'ai vu la soeur, en tout cas, il n'y avait pas de vie. Elle avait maigri parce que ses reins ne fonctionnaient plus. Elle a fait 6 mois sans aller à la selle, sans se laver, parce qu'ils avaient mis l'appareil au niveau de son cou. L'eau ne devait pas toucher. Gloire à Dieu. Et quand j'ai travaillé avec elle, le vendredi, elle m'a appelé pour me dire qu'ils ont déplacé l'appareil qui était sur son cou. Ils ont mis ça sur son bras. Donc elle pouvait se laver. Gloire à Dieu. Et après cela, quand on a travaillé le premier jour, le samedi, le dimanche, on se rencontre maintenant dans le lieu de brisement des liens pour conclure. Et la soeur m'appelle. Elle me dit, pasteur, je vais te parler. J'ai dit oui. Elle me dit que moi qui n'arrivais pas à faire la selle depuis 6 mois, depuis 4 ans, hier soir, Dieu m'a visité. J'ai pissé 3 fois. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là. J'ai commencé toujours à chercher Dieu parce que j'étais arrivé à un stade de ma vie où je ne devais plus être seul. Gloire à Dieu. Et les écailles sont tombées. J'ai vu la sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle sœur? La sœur délivrée? Non, la sœur délivrée. Gloire à Dieu. Et j'ai vu dans le temps qu'il était ma fiancée, mais je n'avais pas les moyens. J'avais simplement 25 000 dans mon compte. Et j'étais allé dire à mon fiancé que je veux me marier. Il dit, tu as combien? Il dit, j'ai 25 000. Il dit, tu as 25 000 et puis tu veux te marier. Gloire à Dieu. Et moi, j'ai compté sur Dieu. Alléluia. Et il m'a donné des directives. Il dit, je ne peux plus mettre mon argent sur Orange Money, mais d'aller mettre dans une microfinance. Et j'ai commencé à suivre ses conseils. Et je me suis retrouvé avec 200 000. Un jour, pendant que je priais, je méditais, le Saint-Esprit me parle pour me dire que, à ce moment, le pasteur Mini avait donné la lettre de, on doit faire une offrande sacrificielle. Donc, j'ai appelé mon faiseur pour dire, ah, Dieu me dit de donner l'argent que j'ai gardé là. Donc, j'ai appelé. Moi, chez moi, il allait me décourager, me dit que tu veux te marier, il faut garder. Il me dit que, cher ami, si c'est Dieu qui t'a parlé là, il faut prendre et aller donner. Là, la main, j'étais brisé. Gloire à Dieu. Mais j'ai obéi. Lundi matin, je suis allé là-bas, j'ai pris tout mon argent et je suis allé au temple. Quand je montais les marches, arrivé là-bas, je partais directement dans le bureau de la secrétaire du leader. Et il y a un ancien qui m'a interpellé. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il dit, ah, il vient faire une offrande sacrificielle. Il dit, viens, le bureau est fermé. Mais tu as combien? Je dis, j'ai 200 000. Et il a appelé un frère, ils ont compté l'argent et j'ai donné.
Et quand j'ai donné, je regardais l'argent et mon cœur me disait que ah, si c'est pas Dieu qui t'a envoyé là, c'est que vraiment là là seulement, il sait pas comment il fait. Gloire à Dieu. Et je jugeais cette fois-là. Et je, quand je suis descendu, il y a la joie qui a pris tout mon cœur. Frère, depuis ce jour, Dieu a commencé à me bénir. J'ai fait la dot de ma femme le 3 septembre 2022. Et j'ai fait le mariage civil à la mairie d'Adjamé le 1er décembre 2022. Je suis maintenant marié. Gloire à Dieu. Je vais être finiment reconnaissant à ce grand Dieu-là. Quand tu mets ta confiance en lui, Dieu ne t'abandonne jamais. C'est vrai, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Que toute la gloire revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Alléluia! Je suis la sœur Nao Sylvie, épouse Rime. Je viens du sous-sang de Niangon Sud. Je veux dire merci au Seigneur. J'ai connu la CNCI en 2021. Et mon frère disciple, c'est madame Nyankan, sœur Nyankan, du sous-sang de Niangon Sud également. Et j'ai connu le Seigneur en 2021 et je suis venu brièvement à la croisade 2021. J'ai fait juste 2 jours et puis je suis reparti à la maison. Je vis avec une dame depuis près de 20 ans passés. On a fait 2 enfants, 3, et puis 1 n'est pas resté. Le premier n'est pas resté. Et quand j'ai connu la sainteté, je lui ai dit, ah, moi, je suis venu dans une église où on dit, si on n'est pas marié, on ne doit plus être ensemble. Il dit, c'est quelle église ça? Il dit, c'est comme ça, c'est les règles, c'est comme ça. Et en 2022, j'ai décidé de m'engager. Quand on a eu la croisade, j'ai dit, moi, j'ai venu faire les 40 jours ici. Et je lui ai dit, moi, je viens faire les 40 jours. Il dit, non, que c'est quelle église où on vient faire 40 jours et puis on laisse son mari à la maison. Il dit, l'église, on dit, on se sépare. Donc, je suis allé m'asseoir sur ma petite soeur et je suis venu faire les 40 jours dans cette église-là. Faire les 40 jours en 2022. Et pendant les 40 jours, il faut dire que j'ai souffert du froid. J'ai souffert, le froid me tourmentait. Et mon mari, mon père de mes enfants disait que dans ton église, on ne doit plus être ensemble. J'ai dit, c'est ce qu'ils ont dit tant qu'on n'est pas marié. Il dit, non, ce n'est pas normal. J'ai dit, c'est comme ça. Si tu ne me maries pas, on ne va pas aller ensemble, c'est comme ça. Il dit, bon, d'accord, tu ne quittes pas dans l'église. C'est que moi aussi, j'ai vu te marier. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il s'agit de ma petite soeur, je suis allée m'asseoir. Quand j'ai fini la croisade, il m'a appelé et me dit, ah, on va voir affaire là. Il dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt, on va voir affaire là. Acclamation à Jésus-Christ. Il est parti déposer les papiers à la mairie de Trècheville. Au début, quand on a fini la croisade, il a déposé les papiers. Je lui ai dit, comme tu as déposé les papiers, je ne suis pas prêt, attends un peu. Donc, quand on dépose les papiers de la mairie, c'est 3 mois après. Quand 3 mois après, vous n'avez pas fait, ça échoue. Donc, il dit, je ne suis pas prêt. Quand on a fini la croisade, après, quand il est reparti encore dans cet ancien, il a déposé les papiers. Et il m'a dit, Sylvie, s'il te plaît, allons-y maintenant. J'ai dit, allons, je suis prête. Le jour où on partait même à la mairie, bon, il est parti, elle sautait. Bon, je suis partie avec ma petite soeur parce qu'on a fait un truc à 4. Il dit, est-ce que celle-là va venir même? Parce qu'elle est rentrée dans l'église là maintenant, elle a changé, elle n'est plus la même, elle ne veut même plus me voir. L'église là, c'est comment? J'ai dit, si tu veux donner ta vie à Jésus, je serai heureuse là. Les problèmes vont diminuer, les choses vont diminuer à la maison. Il dit, ah, ton affaire là, c'est compliqué. Il dit, c'est comme ça. Je veux dire merci au Seigneur parce que nous sommes partis vraiment à la mairie. Parce qu'il disait, non, que tant que lui, moi je ne retourne pas, tant que moi je ne le suis pas, moi je dois le suivre dans son église là où il va. Pourtant, lui-même, il ne va pas à l'église au catholique, mais c'est un ancien catholique qui ne va pas au catholique. Je veux dire merci au Seigneur. Il y a une bonne partie, une partie intéressante qu'elle a oubliée. Alléluia. Il faut dire, elle était tellement possédée à la croisade de l'année passée. Dès que le pasteur prend la parole, elle tombe. Boum. Le service d'accueil la soulève, l'amène à un autre niveau. Quand je fais la ronde, je tourne. Vous voyez, elle est bien claire, elle est bien visible. Celle que je vois entre les mains des membres de l'équipe de délivrance. Et le démon disait toujours, tu ne vas jamais te marier. C'était toujours le problème des mariages. Et son mari, le père de ses enfants menaçait. Il la menaçait pour dire, comme chez vous là-bas, on dit, faut pas, je vais coucher avec toi, je vais prendre une autre femme. Là où tu es parti, il faut rester là-bas. Frère, et c'était difficile. Son faisait des disciples l'encourageaient pour dire il faut obéir à la parole de Dieu. Chemin faisant, je vous dis, toute la croisade de l'année passée, dès que le pasteur prend la parole, elle tombe.
jour après jour, elle tombe. Plusieurs démons se sont manifestés. Elle était authentiquement délivrée l'année passée. Je me rappelle, un jour, j'ai dit au frère, il faut que cette soeur-là, qu'on reprenne son brisement des liens. C'est lors de son brisement des liens, elle était dans la profondeur des eaux. C'est là-bas que Jésus allait la chercher dans la profondeur des eaux et la faire sortir à la surface. Après le brisement des liens, elle était authentiquement délivrée. Ça, c'était vers la fin de la croisade. Moi-même, je suis étonné de voir une alliance à son doigt aujourd'hui. Au frère, l'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle a obéi à la parole de Dieu. Elle est restée fidèle, écoutant le message de son faiseur de disciples, écoutant le message du leader, le pasteur Mignon Boniface. Elle est restée fidèle, ferme. Et comme son mari disait, il avait utilisé un thème. D'accord, il faut garder la chose. Comme c'est pour eux, il faut garder. Elle dit, je vais garder. Le jour où tu vas faire ce qu'on te demande, là, tu vas prendre. Alléluia! Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Jésus l'a délivré et le mariage est venu à l'existence. À lui soit toute la gloire. Amen! Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Je vais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré de la fornication. Je me nomme Esso Kasso Lisette. J'ai pour faisait des disciples. Est-ce qu'il est là? Qu'il dit son nom? Et you Natacha. Vraiment, je vais dire infiniment merci au Seigneur. Le Seigneur m'a visité. Lorsque j'étais dans le monde, je sautais de garçon en garçon. Faut dire que j'avais fait un faux mariage. Et cet homme m'a doté avec 15 francs. 15 francs. Donc, comme il n'y a pas de mariage dans notre famille, et c'est comme ça le diable est rentré en lui et il est rentré aussi en moi. J'ai sauté de garçon en garçon et j'ai croisé un homme qui est venu du diable. Il m'a trimballé jusqu'au nord. Il dit, je suis la princesse, je suis belle, je suis la reine. Et c'est comme ça, il m'a maltraité dans la fornication. Il m'a vraiment maltraité, frappé, injuste, injure. Et c'est comme ça, la sœur qui m'a envoyé à l'église de CMCI m'a invité ici. Et je lui ai dit que je vais à la terre promise, je vais aussi à la montagne de l'exorcement, mais quand même je vais te suivre parce que c'est le mariage que je cherche. Et c'est comme ça, j'ai suivi la sœur. On m'a fait ma repentance. J'ai bien fait ma repentance, je n'ai rien caché. Et aussi, je me suis baptisée. Quand j'ai fini de faire mon baptême, ils ont fait mon brisement des liens. C'est comme ça que j'ai été délivrée de la fornication. J'ai été délivré authentiquement. Et je suis reparti au nord, comme je vends les médicaments traditionnels. Il y a un de mes clients, il dit, mais comme on t'a laissé, on te connaît ici, on t'a laissé, moi je vais te prendre pour une deuxième femme. Je dis, arrière de moi, Satan. Moi je suis délivré authentiquement, je ne peux pas. Jésus-Christ. Je ne peux pas. Et c'est comme ça, il dit, c'est ça, on va voir. Il dit, c'est ça, on va voir. Et c'est comme ça, il me fait les cadeaux. Il m'appelle, il dit, ah, la vendeuse de médicaments, je t'ai envoyé banane. Oh, moi j'aime la nourriture. Mais le Seigneur m'a délivré. Et quand il m'a dit, je t'ai envoyé banane, j'ai dit, banane, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour que tu manges. J'ai dit, non, mais c'est bon. C'est bon. Je vais faire quoi avec banane? C'est bon. Encore, il m'a encore invité. Il dit, il m'a envoyé igname. J'ai dit, non, mon frère, c'est bon. Et un jour, c'est comme ça, je suis allé dans le village, vend des médicaments, il m'a appelé. Il dit, il m'a appelé pour le servir médicaments. Et son ami dit, mais c'est là même là. Façon, elle fait son atalakou, même on peut la gagner en l'islam.
J'ai dit arrière de moi Satan. Et lui il a dit à son ami que c'est là. Son Dieu qu'elle adore là, c'est un Dieu vérité. Qu'elle adore un grand Dieu, on ne la moins pas. Vraiment, je vais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré de la fornication. Au nom, que la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus. Amen. Suivant. Clap of praise. Gloire à Dieu. Je me nomme Philomène Obou. Je suis disciple de Papa Traillé. Je suis reconnaissant, infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a visité depuis les 4 jours. Chaque jour, c'est moi qui suis malade. Je suis membre de l'équipe de délivrance. Et la maladie est périodique. Samedi, je suis en bonne santé. Mais à partir de dimanche, lundi, mardi, je ne vais plus bien. Parce que ce sont mes jours où je dois être au temple. Je ne comprenais plus rien parce que mon besoin de faire de bien a été fait. Et donc, quand la croisade a commencé, je me suis révoltée. J'ai dit, où je vais aujourd'hui là? Il faut m'exposer, Seigneur. C'est toi qui sais ce qui se passe dans mon corps. Expose-moi. Je veux ça même. Parce que je veux être disciple authentique de toi, Jésus. Et quand je suis arrivée, pendant que papa, les semeurs, étaient en train de faire l'adoration, je me suis vue attachée dans 3 cordes. Et le nœud, c'était sur ma tête. Je vous apprends que vraiment, j'ai toujours eu des maux de tête terribles. Ce qui fait que les nerfs de mes yeux, vraiment, c'est pas ça. Et pendant que je regardais la scène, quelqu'un est venu s'arrêter derrière moi, grand détail, et il a commencé à défaire le nœud. Quand il a défait le nœud, je me suis vu défaire. Mais intérieurement, une parole me disait, c'est ta mémoire qui a été restauré. Acclamation à Jésus-Christ. C'est ta mémoire qui a été restaurée parce que pour méditer, j'avais des problèmes. Il faut que je passe pendant plusieurs jours sur un message avant de comprendre et je ne comprenais pas, ça m'attristait. Mais le Seigneur a restauré ma mémoire, il m'a délivré. Après que je me suis, le géant, l'homme qui est venu me secourir, elle finit de me défaire, je vois sortir de moi un géant, un homme clair, géant, c'est un esprit des eaux, esprit de nuit. En même temps que l'esprit de nuit partait, je vois une vieille femme, parce que j'avais souvent très mal aux hanches aussi, et là, c'est permanent. On m'a dit que mes aïeux, mes grands-parents ont acheté ce mal-là, parce qu'ils aimaient être penchés en marchant, c'était leur petit malin. Des gens cambrés, des gens comme ça qui sont dans ma famille. Ce jour-là, le Seigneur a eu compassion de moi. Une vieille femme qui cambrait comme ça, mais qui ne pouvait pas marcher à cause des maux de hanche, elle s'appuyait sur une canne, est sortie de moi. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je vois après. La troisième vision, un squelette qui sort de moi, un esprit de mort. Après cela, j'ai une joie rentrée dans mon âme, dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur merci. Je vais infiniment dire au Seigneur qu'il est le Dieu des dieux et que je le remercie infiniment. Parce qu'à cause de tous ces mots-là, je ne pouvais pas être souvent, tous les jours, au rendez-vous du Seigneur. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Akakaku Nitete Grâce. Mon faiseur de disciples est le frère Serge d'Adjaoui. Je veux dire merci au Seigneur, lui qui m'a accordé le CP. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis le frère Zago Marcelin de la Riviera. Mon fidèle de disciple, c'est le pasteur Kwame Moïse. Je veux bénir le nom du Seigneur qui a exaucé deux de nos prières, nos requêtes de 2022. La croisade de 2022, on était à Mbadon et on voulait déménager pour venir à la Riviera Palmeraie, qui est notre zone de conquête. Et le 5 août 2022, le Seigneur nous a permis de déménager, nous a bénis avec les moyens et la maison. Donc nous sommes infiniment reconnaissants.
Et le deuxième témoignage, c'est que le Seigneur nous a fait la grâce de nous marier, mon épouse et moi, le 17 avril 2021. Et à la croisade de 2021, nous avons demandé au Seigneur de nous donner un enfant. Et ça n'a pas été dans l'année 2021. Nous avons reconduit le même sujet en 2022. Et cette année, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a bénis avec une merveilleuse petite fille le 23 juin dernier. Elle a à peine 12 jours et nous reviendrons avec elle avant la fin de la croisade pour la présenter à l'église. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zéga Odette. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur. Mon faiseur, c'est pasteur Kwaku Cyprien. Je voulais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré de l'errance. Il faut dire que ça fait des années que je suis dans les... Je vais de quartier en quartier, de maison en maison. Ma prière, c'était que Dieu me donne une maison. Des fois, je parle seule, je dis, Seigneur, donne-moi une maison. Je n'ai pas d'argent, mais je sais que tu vas payer la caution, tu vas me donner l'argent, avoir une maison. Et ce mois, ça fait 2 semaines que le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni avec une maison à travers ma grande sœur. Vraiment, je voulais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus, amen. Alléluia! Je suis le frère Lap Egonora, j'ai pour faiseur de disciples le missionnaire Mathieu Nguessan. Des grands ponts. Alléluia. Frère, le Seigneur m'a délivré d'une femme en esprit, d'une femme de nuit. Alléluia. C'était en 2021. Nous étions au renversement des principautés. J'étais aussi dans le jeûne de 40 jours complets. Alléluia. Frère, j'ai eu un songe. Dans le songe, c'est comme nous étions sur une île. Nous étions dans des bateaux et il y avait une cérémonie. Et j'ai vu que la cérémonie n'honorait pas Dieu. Et j'ai décidé de descendre du bateau. Alléluia. Et quand j'ai mis mon pied, j'ai eu la tête ferme et j'ai commencé à marcher. Et j'ai emprunté une piste. Et il y avait un vieux devant moi qui portait un lourd bagage. J'ai dit au vieux, si je pouvais l'aider. Et il m'a remis le bagage. Et je partais. Arrivé à un certain niveau, j'ai remis le bagage au vieux. Et j'ai continué. Et frère, je vois devant moi une jeune fille qui avait la tête baissée qui venait vers moi. Je l'ai fixée et elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Alléluia! Frère, j'ai dépassé cette jeune fille. Je suis allé devant. Et tout d'un coup, les anciens de l'église de Dabou sont sortis de nulle part. Alléluia! J'ai vu l'ancien Gorebi, l'ancien Djedje, l'ancien Yoboué, qui sont sortis. Et l'ancien Gorebi m'a dit, frère Honora, interpelle la jeune fille qui t'a dépassé là. Et quand je me suis retourné, je ne pouvais même pas l'interpeller. Et il y avait quelqu'un à côté qui a dit, « Sœur, on t'appelle. » Et on lui a demandé, l'ancien lui a demandé son numéro. D'abord son nom. Elle dit, elle s'appelle Satan. Alléluia! Elle dit, elle s'appelle Satan. Et on lui a demandé son numéro de téléphone. Elle dit, elle est au 50-0000. Alléluia! Frère, c'était une femme coriace qui était dans ma vie. Et le Seigneur a eu la grâce, vraiment, de chasser cette femme coriace dans ma vie. Frère, et quand les anciens ont commencé à la juger, elle a commencé à se consumer. Elle s'est consumée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alléluia! Amen. Frère, moi-même je faisais des songes. Et dans le songe, j'ai eu tellement peur. Et
j'ai interrogé le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi je peux sortir avec Satan? Je posais la question à Dieu, pourquoi je peux sortir avec Satan? Dieu me dit, tu aimais beaucoup les femmes claires. Tu aimais beaucoup de femmes. Tu étais un coureur de jupons quand tu étais dans le monde. Et c'est à partir de là que tu entraînais cette femme en esprit. Jusque là. Mais aujourd'hui, je te fais la grâce. Je te délivre. Alléluia! Jésus-Christ. Frère, depuis lors, le Seigneur m'a béni avec une merveilleuse. Alléluia! Et le 4 février, je me suis marié. De cette année, je me suis marié. Je voulais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui donne le mariage cadeau. Alléluia! Que l'on ait la gloire irrévérienne. Amen! Suivant. Gloire à Dieu. Moi, je suis le frère Zamble Joachim. Et j'ai pour faire de dire le pasteur Dieu Séraphin. Je viens de Sassandra. Je voulais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré de la honte. Gloire à Dieu. Frère, il faut dire qu'avant que je ne vienne au Seigneur, j'avais suivi une opération en 2013. Et j'avais hernie étranglée. Et dans l'opération, quand le docteur m'a opéré, deux jours après, j'ai vu que mes tissus sont devenus gros, comme si maintenant j'ai hernie. Et je suis reparti voir le docteur, il m'a dit que c'est les douleurs qui ont fait que j'ai devenu gros. Quand les douleurs vont passer, ça va prendre sa forme. Frère, quand les douleurs sont passées, je me suis retrouvé avec un seul tissu. Et je suis reparti, il m'a dit que ça va aller. Frère, depuis ces jours, de 2017 jusqu'en 2021, je ne pouvais pas faire d'enfant. Gloire à Dieu. Je suis venu même à Abidjan en 2017. C'est là, ce jour-là, c'est maman Colette qui a conduit le MPJ. Et j'ai rencontré le docteur Babatunde, je l'ai expliqué. Et je lui ai même montré une seule texture. Il m'a dit, quand tu es venu à la convention, il faut repartir. Après, tu vas venir à revoir l'opération. Frère, j'ai eu peur de revenir me repérer encore. Gloire à Dieu. Et dans le renversement des principautés 2021, j'ai commencé à crier au Seigneur que tu ne m'as pas créé avec un seul texture. Mais pourquoi je peux avoir un seul texture? Qui bénit-moi. Frère, j'avais honte de partir avec ma femme parce que je ne pouvais pas l'enceinter. Gloire à Dieu. Mais dans le renversement des principautés, j'ai crié à Dieu. Et on était dans le jeûne. Au 10 janvier du jeûne de l'envers de principauté, ma maman m'appelle pour dire, je vais te parler à 5 heures du matin. Elle m'a appelé, elle dit, je vais te parler. Et je suis venu vers elle. Elle m'a dit, l'église, tu vois là, vraiment, c'est une bonne église. Je t'ai dit que si tu arrives aujourd'hui à l'église, dis merci à ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un son sur toi. Ou dans le son, tu étais attaché à un arbre. Et j'avais un couteau dans ma main, j'ai dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, ah moi, depuis 3 ans, je suis attaché à cet arbre-là que c'est ici, je dors. Et elle a pris son couteau. Et elle a commencé à couper sur le corps sur moi. Quand elle a fini de couper toutes les cordes, je saignais. Elle dit au frère, mais il a coupé les cordes, je saignais. Et elle a fini de couper toutes les cordes. Gloire à Dieu. Qu'elle m'explique ce songe. Et j'ai dit à ma femme, et voilà, le Seigneur nous a délivrés. Qu'il va nous bénir maintenant avec un enfant. Frère, après ce songe, quand ma maman m'a donné, a commencé à faire les suites de prières en fonction des songes qu'elle m'a expliqué. Et le Seigneur nous a bénis avec un enfant. Donc je voulais dire infiniment merci au Seigneur. Qui a permis. Offrant d'acclamation à Jésus. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Esther Goubo, la professeure des disciples, la sœur Marie Goji. Je veux dire merci au Seigneur qui sauve et qui guérit. L'année dernière, j'ai élevé un sujet de prière. J'ai dit au Seigneur que je suis la seule de la famille et que je voulais qu'il ajoute un membre chaque année pour que nous puissions combattre. Amen. Et en octobre 2022, mon papa m'a appelé une nuit pour me dire, est-ce que tu sais que ton oncle a donné sa vie à Jésus? Amen. Et le deuxième fait, je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'une migraine. Cette migraine a entraîné un palu. Après ce traitement, je pensais que c'était le début du palu qui avait entraîné cette migraine. Et le vendredi, le samedi, je sentais encore cette douleur. Le dimanche, quand je quittais la maison, j'ai dit au Seigneur, je vais attirer quoi, c'est pas pour revenir avec cette migraine. Et après la louange, quand je me suis assise, j'ai senti que la douleur avait disparu. Je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce. Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Esther, venant de Tana, mon frère des disciples, c'est la sœur Didiane. Je veux dire merci au Seigneur, car le Seigneur a renversé un féticheur venant de Eurobody. Il faut dire que j'étais à Petit Yapo et on vivait dans la même maison avec ce féticheur-là. On ne savait pas.
Il était venu faire travail de champêtre. Donc, un jour, ils sont partis au champ, j'étais dans la maison. Le Seigneur me disait que ça que tu vois là, va prier pour mettre dessus. Donc, je me suis levée. J'ai jugé tout ce qui est dans le sac. Vraiment, j'ai prié sur ce sac-là. Et je n'ai pas ouvert, j'ai laissé. Il faut dire que ce jeune-là, il était un musulman. Donc, le jour des fêtes des musulmans, il a déballé tous ces trucs-là. On était dans la chambre. Il faut dire, lui, il est au salon, nous, on est dans la chambre. Donc, je vois les trucs. Ils sont en train de faire les trucs, ils ont les trucs des fétiches, là. Je ouvre la porte, je vois, il a mis nat, il a dévalé tous ces trucs de fétiches là. Je dis, ah, donc vous êtes là, il n'y a pas de problème, on va voir. Donc il a fini de faire ce qu'il a fait. Le lendemain matin, ils sont partis au champ. J'ai fermé la porte. Je dis, vous là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est nous deux, nous sommes dans la maison, il n'y a pas quelqu'un. Vous allez voir avec moi. J'ai pris ma Bible. Et j'avais balai, j'ai pris balai là. J'ai dit, vous là, je viens balayer la maison, sortez. Il n'y a pas votre place dans cette maison là. Donc depuis ce temps, on vit ensemble ici. Je suis un enfant de Dieu. On ne peut pas vivre dans même maison. Sortez, allez-y trouver votre propriétaire au champ là-bas. Pour lui dire qu'il n'a qu'à venir vous chercher vous pour partir. Parce que ici, le feu vous fatigue. Que partez, partez. Sur le champ, je n'ai même pas dit amen. Voici le jeune qui a quitté au champ. Il est venu taper porte. J'ai ouvert, j'ai dit, mon frère, tu es arrivé. Il dit, oui. J'ai dit, tu es venu chercher quoi? Il dit, je suis venu chercher huile. Il dit, d'accord. Il a pris huile là. Il partait, j'ai fermé porte là. Il dit, il n'est pas encore arrivé à quelque part. Hein? Allez-y, lui dit que c'est chaud ici, on ne peut pas rester ici. Viens nous chercher pour partir. Sur le champ, le jeune s'est retourné, venu soulever son sac. Il dit, mais grand frère, il y a tes habits là aussi ici. Hein? Il dit, il m'a regardé comme cela. Et puis il est parti jusqu'à aujourd'hui. Le jeune n'est plus revenu. Et deux jours, je fais un songe. Dans le songe, je suis partie me laver. En venant, je suis arrivée sur quand je suis arrêtée devant la porte, c'est une vieille dame, tu as arrêté devant la porte. Il dit, ah, donc quand je ne suis pas là, là, c'est toi, tu rentres dans la maison. Quitte devant moi, je vais passer. La femme dit, elle ne veut pas quitter devant moi. Quand je l'ai tirée, là où je l'ai jetée, là, elle est tombée sur le fagot sec. En même temps, les fagots ont pris feu. Il dit, dans le son, la femme sentait comme quand on brûle mèche, là. Le lendemain, je me suis levée. On dit, il y a une vieille qui est décédée dans le village. Je veux bénir le nom du Seigneur. Jésus quand Christ. L'ennemi veut remuer sa queue, que le Seigneur est là pour l'emporter. Acclamation. Amen. Jésus. Gloire à Dieu. Moi, je me nomme Geliluna Angèle. J'ai pour faiseur de disciples pasteur Ndilou à la Rivera. Moi, je veux dire infiniment merci à notre Dieu, qui est le docteur par excellence et qui opère les guérisons miraculeuses. Il y a ma nièce qui vivait avec un jeune à Séguéla. Elle a eu deux enfants avec ce dernier. Et ce dernier est décédé. Et depuis lors, les parents ont récupéré les enfants. Et le vendredi, j'étais là. Et ma nièce m'a appelée avec une voix triste. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, maman veut te parler. Ça dit que ma grande sœur. Elle a donné le téléphone à sa maman. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit que petite sœur, à l'heure où je te parle, nous sommes à l'hôpital de Séguéla. Que la fille de ta nièce était malade. On a dit que cette maladie a traîné un peu longtemps. On traitait avec un indigène. Mais ça n'allait pas. Mais le jeudi, là, la maladie s'est aggravée. On a mené la petite fille à l'hôpital. On dit échographie. Échographie, on dit qu'il y a quelque chose qui bouge dans le ventre de l'enfant. Et il faudrait qu'on opère urgemment. Et on a mené au bloc, par la grâce de Dieu. Quand on a mené la petite fille au bloc, par la grâce de Dieu, l'opération a été faite et dans le ventre de l'enfant, ils ont trouvé crevette vivante. Crevette vivante qui bougeait dans le ventre de l'enfant. Ça dit que la crevette était en train de bouffer l'intestin
de l'enfant. Ils ont même dit qu'il a bouffé les intestins jusqu'à percer. Mais Dieu, par sa grâce, l'enfant, Jésus-Christ a sauvé l'enfant. J'ai demandé que, mais et l'enfant, ils ont enlevé et l'enfant. On dit l'enfant est là, elle va bien, que ça va. Tellement que c'était incroyable devant moi, j'ai retardé pour rendre ce témoignage. Et ce matin, j'appelle ma grand-sœur, c'est comment là-bas? Elle dit que Dieu a fait vraiment son travail, qu'elle va bien, mais on ne les a pas encore libérés. La petite fille parle, elle va bien, que hier même, elle a réclamé la nourriture. Je veux leur dire merci à notre Dieu qui est le médecin par excellence. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kobena Ose Ezekiel. Je veux dire merci à Dieu qui a permis que je vaille jusqu'au bout du gène. Et aussi, il a permis que j'ai un an de plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je m'appelle Gore Zeke Honorine, la princesse de Jésus. Mon fils de disciple, c'est le pasteur Biaï Charles. Quand j'ai cru en 2016, j'étais malade. Et les frères partaient évangéliser. Et je voulais être participante. Et je partais au temple un mercredi pour l'enseignement. Et j'ai croisé une vieille. J'ai dit, ah, maman, bonjour. Elle dit, ayo, nayo, ça veut dire bonjour, ma fille. Comme je suis Dida, j'ai dit, ah, voilà une occasion. Donc, tu es Dida, elle dit, oui. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as donné une âme. Et quand j'ai prêché l'évangile à la vieille, elle a accepté. Et quand elle a accepté, on l'a fait sa repentance, son baptême. Maintenant, au moment où on devrait faire son brisement des liens, il se trouvait que la vieille était abandonnée dans une maison. Et j'ai présenté son cas au pasteur. Donc les pasteurs m'ont donné l'argent. J'ai commencé à préparer la nourriture, j'ai commencé à m'occuper d'elle. Et nous sommes allés, les pasteurs ont payé carburant, ils ont mis dans la voiture, nous sommes allés à Gonzague, des palmeraies à Gonzague. Sur sa racine, ça veut dire d'où elle vient. Pour savoir qui est son enfant, qui est son parent. Et Dieu merci, on a trouvé sa fille. On a dit, mais viens nous aider à t'occuper de ta maman. Elle dit, elle ne vient pas. Et on a rendu gloire à Dieu. Et ils nous ont donné le numéro de ces trois enfants en France. Et nous sommes venus. Et j'ai commencé à m'occuper de la vieille jusqu'à un mois. Et j'ai appelé, ils m'ont donné le numéro, j'ai appelé ces enfants. J'ai dit, votre maman est dans ma main. Et dans la main de l'église, on a fait sa repentance et son baptême. Et on ne voit personne, elle est vieille. Il dit, ah, on ne savait pas que excusez. Mais comme vous êtes ensemble déjà, occupez-vous d'elle, on va venir à vos besoins. Il nous envoyait 35 000 par mois pour manger. Voilà comment j'ai commencé à faire Jossi à la palmeraie pour m'occuper d'elle et ma famille. Et cette vieille-là, ses enfants m'appellent pour me dire qu'une fille m'appelait, s'appelait Maria. C'est la troisième qui est en Europe, elle m'appelle, elle me dit, elle est paralysée, elle est en chaise roulante et qu'elle ne travaille pas. Ça ne va pas pour en Europe, ça fait que ça, elle n'arrive pas à s'occuper d'elle. Et le Seigneur a permis que, quand elle m'a dit qu'elle est paralysée, j'ai prié, j'ai dit à la fille, tu es paralysée, tu seras guérie. Le Seigneur de Côte d'Ivoire va aller te guérir en Europe là-bas. Et quand j'ai commencé à prier la nuit, j'ai dormi, il y a un homme qui est venu me dire, la femme qui est paralysée en Europe là, c'est toi qui as prié, puis elle va guérir. Et j'ai partagé ça avec le pasteur Biaï. Il dit, mets ça au pied de Jésus. J'ai prié un mois, 15 jours, avec le brisement des liens de la maman, un dimanche. La fille qui est en France, dans chaise roulante, a marché le Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Je suis le frère Yao Kofi, bienvenue, de la localité de San Pedro. Mon faisait de disciple, c'est le pasteur Kwao. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu qui m'a guéri hier même, juste après la prière. Frère, j'avais un mal au niveau de mon œil gauche. Et ce mal a duré au moins 6 mois. Et hier, pendant qu'on était en train de prier, j'avais les yeux fermés. Et juste quand le pasteur a dit « Amen, on s'assoit », quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu bien clairement. Je vais lui dire merci, lui qui m'a guéri. Parce qu'avant, je ne voyais pas bien. Quand je regarde, je vois
un peu flou. Je vais lui dire merci, lui qui m'a guéri. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Loukou Priscilla Niela. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Ouattara Lako. Il faut dire hier, avant que nous commencions la prière, j'avais une douleur au niveau de la poitrine et la douleur persistait. Et lorsque nous avons commencé à prier, la douleur a disparu. Et j'ai ressenti au niveau de ma colonne vertébrale que ma colonne s'est redressée. Je veux dire merci au Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, amen. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Frère, je vais être reconnaissant au Seigneur. Lui qui m'accorde de faire les miracles en son nom. Je suis le frère Zo Aristide. J'ai pour faiseur des disciples Maman Boulette Méné. Je suis dans l'équipe de délivrance avec à sa tête le pasteur Traé Ernest. Et je suis l'un des frères qui adore à la cité de Memos étant étudiant. Frère, après l'enseignement du mardi surpassé, au temple, j'avais planifié comme ça aller en famille pour saluer la famille. Et subitement, j'ai eu un mal de tête et j'ai décidé de rentrer en cité. Mais il y a une obéissance qui est rentrée en moi pour me dire, va en famille. Frère, j'ai médité. Et le Seigneur m'a donné un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 21. Et le Seigneur m'a dit, c'est le message que tu dois partager avec ta famille. Frère, j'ai obéi. Le lendemain, je suis rentré en famille. Étant en famille, j'ai approché la vieille, je lui ai dit, ce soir, on va partager un message ensemble. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, que je vais à l'église, je reviens, on va tous t'écouter. Frère, pendant tout ce temps, j'ai commencé à prier le Seigneur que lui-même me dirige, il me conduit de sorte à ce qu'il reçoive le message de sa part. Mon père, qui a pour habitude de rentrer très vite, frère, il est rentré à 23 heures. Mais je dis, je vais donner le message. Subitement, mes frères sont allés dormir et c'est mon père et ma mère qui étaient au salon. Pas ma mère biologique, mais ma mère. Frère, j'ai donné le message. Et le Seigneur m'a, en même temps, il me parlait pour me dire, regarde ce que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de briser les chaînes de la famille. Frère, après avoir fini de donner le message, j'ai conduit en même temps mon père et ma mère à la repentance. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de confesser à Dieu pour tout le mal. Parce que à travers le mal, ça engendrait beaucoup de difficultés dans la famille. C'est-à-dire qu'à cause d'eux, ils font souffrir tant de personnes. Et comme Adam l'a fait, et Jésus est venu pour la résurrection des morts. Frère, quand j'ai fini, une fille, c'est-à-dire qu'une cousine, que je n'ai pas pour habitude de lui prêcher l'évangile, je lui ai fait soir. Il a dit, toi, viens t'asseoir ici. Je vais te conduire à la repentance. Frère, elle est venue s'asseoir. En échangeant avec elle, elle s'est confessée, disant que par moment, la mère lui fait les choses, mais l'esprit lui dit, ne l'emprisonne pas dans ton cœur, ne lui porte pas dans ton cœur. Et j'ai compris qu'il fallait que je lui donne Jésus. Frère, je lui ai mis dans le jeûne. Le lendemain matin, mon père a cru que je rentrais en cité. Il m'a donné la somme de 10 000 francs. J'ai appelé les frères de Ndotre, parce que mon père est Ndotre. Ils m'ont dit que ceux qui conduisent les gens au baptême travaillent. Donc les 10 000 francs, frère, j'ai payé le transport. Comme j'adore à la cité de Memos, je suis allé par la grâce de Dieu, j'ai conduit la sœur à Jésus-Christ. Et là encore, frère... Acclamons d'abord ce transfert de ténèbres à la lumière. Il faut dire que par la grâce de Dieu, j'ai conduit ma grande soeur aussi à Jésus. Et je acclamons l'ai fait, encore. Je l'ai fait passer. C'était pas dans la même semaine. Il faut dire que là encore, c'est que le Seigneur, parce que auparavant, je devais envoyer son colis. Son colis, elle dit, elle va faire un business en dehors de son travail. Depuis, je devais envoyer le colis, mais frère. Quand vers la conclusion. J'ai envoyé le colis, elle m'a donné 2000 francs. Pour le transport, sans le savoir, même son mari. Depuis, je devais lui donner l'évangile. Frère, le Seigneur l'a frappé avec une maladie. Et là, sans le savoir, je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai prêché l'évangile. Et je lui ai dit, demain, je viens te conduire à la repentance, frère, avec la foi. Quand je suis rentré,
La nuit, j'étais en train de décéder pour que le Seigneur envoie vraiment sa repentance et son baptême à l'existence. Frère, je suis devant même, jusqu'à quand je dors même dans les prières. Et le Saint-Esprit me réveille encore et je combats. Et quand je me suis réveillé, frère, le même dimanche, je devais aller adorer. Je suis allé avec obéissance. Frère, je l'ai conduit à la repentance. Quand je l'ai conduit à la repentance, il désistait. Il me dit que, bon, moi je dis, je dois venir à la croisade. Il me dit non, après la croisade. Il dit, frère, je lui ai prêché encore l'évangile. Et le Saint-Esprit m'a conduit. Il est rentré dans la chambre, frère, intercession là encore. Il est sorti, il dit, bon, d'accord, allons ensemble. Frère, on allait le baptiser. Acclamation. Il faut dire qu'à la veille, quand je lui prêchais le samedi, je lui prêchais l'évangile. Quand je suis rentré en cité, parce qu'après avoir fini de lui prêcher l'évangile, je suis rentré en cité. Et il y a un frère avec qui je cause beaucoup. Il m'a dit, il y a l'une des mamans de ton petit frère. Parce que notre dernier de notre famille aussi, je l'ai conduit à Jésus-Christ, mais je l'ai passé à cet ami-là. Frère, quand il m'a dit que sa maman dit de l'appeler, c'est Jean. Oh, depuis, il devait appeler sa maman. Je ne l'ai pas appelé. Ce même jour-là, je suis allé l'appeler. Et en même temps, je lui ai prêché l'évangile au téléphone, frère. Quand je lui ai prêché l'évangile, je suis descendu. Il dit, frère, j'étais passé mon petit frère. Donc, c'est toi qui as conduit la famille à Jésus-Christ. Frère, le lendemain, le même dimanche, pendant que je suis allé conduire l'évangile et la repentance au frère, le concubin de ma grande soeur, il faut préciser parce que c'est le concubin de ma grande soeur. Et le frère aussi, il allait en mission aussi. Il allait conduire la mère à la repentance. Frère, il est revenu, il m'a confirmé qu'il a conduit la mère à la repentance. Et elle va venir à dire quoi? Ils vont la plonger dans l'eau pour la baptiser. Suivant.